Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, accorde-moi la révélation de ta parole. Permets-moi, par ta puissance, de t'entendre et de te comprendre. Communique-moi la sagesse indispensable pour mener une vie rayonnante sur terre. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, voici ma vie. Change-moi, impacte-moi, guéris-moi, visite-moi, bénis-moi, restaure-moi, reprends-moi par ta précieuse parole. Glorifie-toi dans ma vie et par ma vie, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais enseigner sur la clé de la sagesse. La clé de la sagesse. Vous savez, nous vivons dans la dispensation de la grâce. Et la grâce est considérée par Dieu comme étant des faveurs imméritées que le ciel nous accorde. Ou alors la prédisposition que Dieu a à nous faire du bien. C'est ça la grâce. Nous vivons sous la dispensation de la grâce. Cependant, malgré toutes les prédispositions, tous les arrangements que Dieu a mis en place pour combler, pour bénir, épanouir chaque personne sur terre qui a accepté Jésus, eh bien, il y a beaucoup d'entre nous qui vivons dans un standard très éloigné du standard préconçu de Dieu à notre égard. Et donc, interrogeant Dieu pour comprendre quelle est la raison, l'une des raisons fondamentales que Dieu m'a communiquées était le manque de sagesse. Si vous n'avez pas de sagesse, vous ne pouvez jamais vivre selon les standards que Dieu a préconçus pour vous. Eh bien, qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut agir, le chemin par lequel il passe s'appelle la sagesse. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Et la sagesse, c'est aussi la capacité qu'on a d'utiliser la connaissance qu'on possède. La capacité qu'on a d'utiliser la connaissance qu'on possède. Il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance, mais qui ne savent pas l'implémenter, qui ne savent pas utiliser la connaissance face aux circonstances de la vie. Donc le tout n'est pas d'avoir à magasiner un lot de versets bibliques dans sa tête ou avoir un lot de théories dans sa tête. Il faut encore avoir la capacité de déployer cette connaissance face aux circonstances de la vie. Et ce qui nous permet de le faire, c'est la sagesse. Très important, la sagesse. Si les hommes comme Daniel, les hommes comme Joseph, les hommes comme Jésus ont marqué leur génération, ont laissé une empreinte indélébile jusqu'aujourd'hui, une empreinte visible, bien qu'étant partie de la terre, c'est parce qu'ils possédaient en commun la sagesse. Donc il est important, justement, d'avoir accès à cette clé, la clé de la sagesse. Il est dit de Jésus dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il y avait trois croissances. D'abord en sagesse, ensuite en stature. Stature, physiquement, il croissait, il se développait. Il y avait la grâce qui se développait aussi devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça que Jésus a vécu. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce. Que Dieu t'accorde ce matin de faire un pas de plus dans la sagesse et dans la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur, amen. Et vous voyez donc, ce qui s'oppose à la sagesse est appelé ignorance. Parce que la sagesse se déploie par la connaissance. Donc là où il y a ignorance, la sagesse est muselée. D'accord? Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Il y est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit
parce qu'il manque la connaissance. Il n'a pas dit les païens. Non, il n'a pas dit les personnes qui prient dans d'autres, voyez, chapelles opposées. Non, mais il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que l'ignorance muselle l'alliance, empêche au droit d'alliance d'être manifeste. Il dit mon peuple. Vous voyez, quand Dieu parle de son peuple, le peuple d'alliance. Dans le fait que ce peuple avait le manque de connaissance, alors il était détruit. D'accord ? Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans la garantie que nous avons de voir Dieu avec nous, c'est la quête de la sagesse. Et il dit, si tu rejettes la sagesse, je te rejetterai. Et je vais oublier tes enfants, parce que tu l'as rejeté. Que cela ne t'arrive pas. Donc on ne peut, personne dans la vie, quel que soit le palier où Dieu t'a appelé, ne peut exceller dans l'ignorance. On n'a jamais décoré quelqu'un pour être ignorant. Jamais. L'ignorance n'est jamais imprimée. Jamais. D'accord ? Jamais. Donc on ne peut pas exceller dans l'ignorance. Et l'ignorance, voyez, a la capacité de museler le potentiel qui est en toi. L'ignorance est une prison. Donc si vous voyez quelqu'un de libre dans la vie, mais qui est ignorant, c'est un prisonnier. Parce qu'il est sûrement prisonnier quelque part. Parce que l'ignorance est une prison. Il est important d'aller à la quête de la connaissance. J'ai vu des personnes manquer de sagesse de façon criarde. Et si nos continents, notre continent, ici, n'est pas développé, c'est parce qu'il nous manque la sagesse. J'ai vu des personnes en Occident, j'ai vu des personnes en Amérique, bâtir leur vie sur les standards faibles. Quand vous rejetez la sagesse, votre vie ne peut jamais connaître la prééminence. Jamais. Toute vie que vous voyez exaltée, élevée par la main de Dieu, est une vie qui a donné la primeur à la sagesse. La sagesse est importante. Je me rappelle un pasteur que je connais, qui se mariait. Il était locataire, il était sans voiture. Le jour de son mariage, il y avait deux limousines. Il y avait une qui portait l'homme. Il y avait une qui portait la femme. Mais alors qu'en fait, il est piéton. Donc quand je l'ai vu passer, j'ai dit bienvenue les problèmes. Parce que vous ne pouvez pas installer une femme le jour du mariage dans une limousine et le lendemain, vous la mettez dans un taxi. Vous êtes en train vous-même de créer un problème dans votre propre maison. Par manque de sagesse. L'argent dépensé pour le mariage pompeux pouvait servir à bâtir une famille stable. Mais comme la sagesse n'était pas là et que le but, l'objectif était le m'as-tu vu, les personnes juste passent à côté de ce que Dieu leur réserve. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui, par manque de sagesse, détruisent ce que Dieu veut faire avec elles. J'ai vu des femmes, par manque de sagesse, détruire les mariages les plus glorieux que Dieu leur avait donnés. Vous savez, quel que soit l'homme que Dieu donne à une femme, sans la sagesse, la femme ne jouira jamais du meilleur de cet homme. Et la sagesse emprunte les voies qui ne sont pas populaires. La sagesse emprunte les voies qui ne sont pas sociétales. La sagesse emprunte les voies de Dieu. Ce ne sont pas les voies de la société. Non, les voies de Dieu. Quand Dieu dit à une femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la voie de la sagesse. Et la soumission n'est pas l'obéissance à 100% de ce que le mari demande. Non, c'est de se soumettre au mari aussi longtemps que le mari est soumis à Dieu. Et de résister au mari quand lui, il résiste à Dieu. Et donc, on a pris ça pour faire des femmes africaines des brutes, des tarés, des personnes qui ont mis de côté leur intelligence. Que cela ne soit point ton partage au nom suprême de Jésus. D'accord ? C'est important. Vous voyez la soumission. Vous savez que tout homme est gagné par le respect. Une femme qui ne sait pas respecter son mari, quelle que soit sa beauté, perdra cet homme. Ou alors perdra l'estime de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il regarde la femme, il est attiré par la chair, par le corps. Mais quand il veut garder la femme, c'est le cœur qu'il regarde. Donc le cœur permet de garder. La chair permet d'attirer. Et
on voit beaucoup de femmes qui passent des heures et des heures dans le salon de coiffure, des investissements terribles pour les mèches les plus longues, pour les vernis les plus coûteux, mais très peu de temps à lire deux versets bibliques. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'éteindre leur lumière, d'empêcher à leur réelle grâce d'opérer dans la vie. La splendeur réelle d'une femme, c'est d'abord son intérieur. C'est d'abord son intérieur. C'est pourquoi la femme a été tirée de la côte, de quelque chose de caché, de quelque chose de blanc, mais d'un peu incliné, incurvé, de fragile. Dans la sagesse d'une femme, c'est de comprendre qu'elle n'a pas besoin d'hausser le ton. Elle n'a pas besoin de crier. Une femme qui... Oui, mais non, 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 calme-toi. Vous savez, même dans le couple homosexuel, il y a un des deux qui devient femme. Vous n'avez pas encore dit, chérie, chérie. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que pour que ça fonctionne en couple, il faut un mâle et une femelle. Donc si deux sont mâles, un mâle devient femelle. Donc vous ne gagnez rien en devenant mâle. Quand vous devenez mâle vis-à-vis du mâle, il va chercher une femelle. Donc vous voyez, il est important de rester femelle. C'est ta nature, la douceur. Voyez-vous, c'est important. Et pour les hommes aussi, la sagesse dans les rapports avec ta femme. Tu ne peux pas parler à ta femme comme tu parles à ton collègue. Non. Même si ta femme mange au rythme que tu n'aimes pas, il ne faut pas lui dire, mais toi aussi tu manges autrement. Non. Pour une femme, c'est une insulte. On ne parle pas comme ça. Je l'ai appris à mes défauts. On ne dit pas, tu manges aussi. Non, 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 non. Il y a des stratégies. Il y a la sagesse. En tant que leader, il faut avoir la capacité d'amener les gens à faire même ce qu'ils n'aimeraient pas faire. Alors vous êtes à table et tu dis, mais qu'est-ce que ça te dirait si on a une semaine de crudité? Tu commences à vanter les vertus des légumes. Parce que tu te rends compte qu'elle est en train d'atteindre la frontière où la graisse risque d'avoir une exaltation qui n'est peut-être pas ce que tu désires. Il faut de la sagesse. Quelqu'un dit sagesse. La sagesse rend la vie agréable. Elle rend la vie agréable. Vous ne pouvez pas avoir un mari qui est hyper occupé et vous passez le temps à l'agresser. T'es où là? T'es où? Non! Ce mari ne sera mal à l'aise avec vous. Donnez la capacité à un homme qui travaille avec son intelligence d'être en paix. Vous savez, il y a des femmes qui sont belles, ouh, mais elles sont comme des torrents agités. C'est pas bon pour les rois. Et c'est pour ça que vous les voyez beaucoup en boîte de nuit, mais très peu dans l'église, parce que la royauté demande le calme. La sagesse. Donc, quand vous êtes sage, vous n'inversez pas l'ordre des choses. Quand vous êtes sage, vous donnez la priorité à ce qui mérite la priorité. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nourrir votre corps, matin, midi, soir, et ne même pas prendre un seul moment pour pouvoir embellir votre âme. C'est manquer de sagesse. Votre âme va dégager l'odeur qui va permettre aux personnes soit de rester à vos côtés, soit de partir. Ce n'est pas votre corps, c'est votre âme. Donc prenez le temps d'investir dans votre âme. Ayez une belle âme. Le charme, c'est l'âme. Et vous voyez, donc investissez dans votre âme. Travaillez pour ce genre de choses. J'ai été dans un pays récemment où les maires de la ville sont venus me voir en me disant, pasteur, nous avons un problème dans cette église. Les maires ensemble. Ils m'ont dit, quand nous venons dans les églises, quand nous venons dans les églises ne nous comprennent pas. Les églises nous chassent. On ne se sent pas à l'aise dans les églises. Mais j'ai compris pourquoi. Simplement parce qu'à l'église, vous passez le temps, on passe le temps. Oh, on dit aux gens, oui, vraiment les politiciens, vraiment les riches ont fait ci. Si vous passez votre temps sur l'autel à parler contre les politiciens, à condamner la richesse, comment vous voulez que quelqu'un de votre église devienne riche? Vous êtes en train de leur dire, nous aimons la pauvreté, nous aimons les gens qui ne sont pas établis en autorité. Pourquoi? Parce que souvent le complexe que nous développons par rapport aux positions des autres nous amène à agir sans sagesse. N'oubliez pas qu'il y a toujours un domaine de votre vie où vous serez infime et vous avez besoin de quelqu'un pour vous porter. N'éloignez pas celui qui peut vous porter dans ce domaine précis. La force d'un homme, c'est sa capacité à déployer la capacité des autres dans les siennes. C'est ça la force. D'accord? C'est important. C'est vraiment très important. Très, très important. Et donc, pour sortir de l'ignorance, il faut la connaissance. Il n'y a pas de magie. Il faut la connaissance. Ce qui délivre de l'ignorance, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Ce qui vous délivre de l'ignorance, c'est la connaissance. La connaissance vous rendra extrêmement performant.
et va vous différencier des autres. La connaissance vous donne la performance. Il faut connaître. Et c'est pourquoi les personnes qui s'engagent résolument dans le chemin de la connaissance vont faire une différence dans leur génération. Je l'ai compris très tôt. Quand je me suis converti à 23 ans, 23 ans et demi, j'étais à l'école biblique. J'ai fait une école biblique, j'ai fait une deuxième, j'ai fait une troisième, j'ai fait une quatrième, j'ai fait une cinquième. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je poursuivais la connaissance. La connaissance, c'est important de l'avoir. Vous devez avoir la connaissance. Et vous devez étudier dans le domaine de votre couloir. Ça ne sert à rien pour vous qui êtes, par exemple, boxeur, de passer tout le temps d'étudier les règles du football. Ça ne vous est pas utile. C'est que où vous devez maîtriser, là, c'est la boxe. Si vous êtes appelé pasteur, maîtrisez le domaine de pasteur. Si vous êtes cuisinier, vous êtes hôtelier, vous êtes homme d'affaires, étudiez dans votre domaine. Ayez de la connaissance dans votre domaine. Viens, mon fils, viens. Et puis, quelqu'un d'autre peut venir. Vous, viens, viens. Quelqu'un d'autre peut venir, ok? Voyez, par exemple, je vous montre quelque chose. Là, vous avez trois coureurs de 100 mètres. Vous avez là le champion du monde. Vous avez là le champion de Côte d'Ivoire. Et vous avez là le champion du Tchad. Et puis on va aux 100 mètres. OK? On arrive. Vous voyez, moi j'arrive en premier, champion du monde. 9 secondes. Côte d'Ivoire, 10 secondes. Tchad, 12 secondes. Ou bien 11 secondes. Vous voyez qu'il y a une différence d'une seconde entre nous deux. Mais moi je suis champion du monde. Le monde entier parle de moi. La récompense que j'ai, c'est à terme de milliards. Lui, champion de Côte d'Ivoire, peut-être 500 000. Ou 1 million. Si même on lui donne quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Au Tchad alors, on va lui donner un mouton. D'accord? Très bien. Donc, mais les trois sont champions. Il peut se trouver que parmi les trois, il est plus doué que nous deux. Mais sauf qu'ici, nous avons mis les infrastructures. Là où je suis, depuis le bas âge, pour apprendre à courir. D'accord? Pour que je sois performant. On m'a donné la diététique, comment manger, comment dormir, à quelle heure. Il y a une discipline dès le bas âge pour m'entraîner. Depuis là de 12 ans, je suis dans le temple, dit laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Il est en train de se former à son couloir à 12 ans. Et il commence le ministère à 30 ans. Ça fait 18 ans d'investissement pour acquérir la connaissance dans son couloir. Donc, il n'y a pas de succès qui est au hasard, jamais de la vie. Même si ta destinée est prophétique, ton succès sera la conséquence de ton investissement. Celui-ci, il court bien. D'abord, il a commencé à chasser les rats de la jeunesse. Donc, il peut courir. Mais à 22 ans, il mange du foutu banane, sauce graine. C'est ce qu'il aime, c'est sa culture. Mais malgré ça, il a une seconde de différence entre nous. Juste une seconde. Si on lui avait enseigné la diététique, l'importance de certains aliments qui vont pouvoir agir sur ses fibres musculaires, le type de musculation qu'il fait, le type d'exercice, il pouvait, comment même on se met quand on court, comment est-ce qu'on termine, il aurait gagné le trophée. Mais parce qu'il n'a pas appris à terminer, à se jeter à la dernière seconde, celle qui court moins gagne. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été formée. Voyez-vous? Et ça peut paraître anodin, mais c'est juste des petites différences, des petits détails. D'accord? Et pour être performant dans la vie, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. La connaissance est importante. Et le seul endroit où les gens rejettent la connaissance, c'est à l'église. Et où on pense que sans connaissance, on peut faire des espoirs. Non! Même le miracle a besoin de connaissance pour opérer. Même le miracle. S'il n'y a pas la connaissance, le miracle est muselé. C'est pourquoi même pour que le Saint-Esprit agisse, la parole de vérité est relâchée. Pour que l'information te soit donnée, la connaissance d'une œuvre accomplie à la croix. Pour que derrière cette connaissance, la foi soit suscitée et la puissance se révèle. Sans connaissance, il n'y a pas d'action divine. Arrêtez de rondoshi katababori akatababa redaboreshika et de croire que Dieu va agir. Après que tu aies riboshi karababosha katebe, il faut la connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. C'est très important. Il faut la connaissance. D'accord? Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Que la grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, et la paix vous soient multipliées. C'est-à-dire, quand tu es ignorant, ta vie est agitée.
c'est la conséquence de la connaissance. Quand tu connais, tu vis en paix. Les gens qui sont ignorants, ils parlent à tout vent. Vous arrivez quelque part, on commence à discuter sur un sujet. Tu ne maîtrises pas le sujet, pourquoi tu parles? La Bible dit que même l'ignorant, quand il s'était, il passe pour sage. C'est l'histoire d'un homme qui a épousé une belle femme, c'est un politicien. Et puis, mais elle ne parle pas bien français, ni l'anglais d'ailleurs. Mais elle parle bien le baoulé. Deux arrivent quelque part dans la discussion, au lieu qu'elle s'était, mais elle aime parler. Quand tout le monde la voit dans sa carrure, on a l'impression que c'est une femme. Le gars. Dès qu'elle ouvre la porte, elle dit, c'est pour ça que je disais que la banane là, il ne faut pas. Tout le monde, waouh, c'est comme ça qu'elle est, parce qu'elle a ouvert la bouche. Mais si tu t'étais tu, personne n'aurait su qui tu es. Voyez-vous, c'est important. Il y a des moments où il faut apprendre à se taire. Où se taire, c'est un acte de connaissance. C'est-à-dire, tu demandes que tu connais parce que tu t'étais. Tu connais quoi? Tu connais que tu ne connais pas. D'accord? C'est important. Tu sais que là, je ne connais pas. Je ne connais pas, je me tais. C'est la sagesse. Parce que quand tu ne connais pas, tu sais que tu ne connais pas. Ce qui t'amène à aller découvrir la connaissance, c'est parce que tu es conscient que tu en as besoin. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas qu'ils ne connaissent pas. Le domaine dans ta vie où la sécheresse est présente est un indicateur crédible que dans ce domaine, la connaissance est absente. Là où la sécheresse est présente, là où le manque est exalté, là où il y a le trophée de la disette, alors la connaissance est absente. Car la connaissance va toujours déclencher l'abondance. Vous ne pouvez pas connaître et puis être pauvre, impossible. La connaissance attire toujours la provision. Parce que la connaissance est recherchée. Ça s'appelle de l'expertise. Voyez-vous, c'est important. Et la connaissance va tout donner la prééminence dans la vie. Celui qui connaît a toujours de l'ascendance sur celui qui est ignorant. Et la connaissance est plus valorisée que la force. Quand vous connaissez, vous avez plus de valeur que la force. Après la crise politique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, lors du changement de pouvoir et où Babou a été arrêté, je suis arrêté en Côte d'Ivoire parce que je restais prier pour le pays. Il y a beaucoup de personnes qui étaient parties, j'ai la conviction de rester, je suis resté. Deux fois, des gens sont venus chez moi et toutes les fois, ils venaient. La seconde avant, j'étais parti. J'étais parti inconsciemment chez les voisins et puis ils arrivaient chez moi. Donc, dès que la crise s'est arrêtée et que le premier vol de Air France est arrivé, j'avais la capacité de prendre un billet d'avion ici. Alors que les agences étaient fermées, j'avais une carte qui me permettait de le faire. Donc j'ai appelé le service, ils ont pris le billet d'avion et puis on m'a escorté dans une jeep. Je suis arrivé à l'aéroport et je suis parti. Quand je suis parti, les journaux ont commencé à publier, c'est le révérend Wafo qui donne le conseil à Babou. C'est pas vrai, parce qu'en tant que pasteur, j'ai eu la sagesse de ne jamais me mêler à la politique et je ne le ferai jamais. Parce que je sais une chose, je sais celui qui n'a pas besoin de gagner les élections, qui est déjà le maître suprême de l'univers. Il n'est pas besoin de venir lutter pour le petit palais de Cocody, ou bien de l'Élysée, ou bien la Maison Blanche. Il est au-dessus, il s'en trône, et au-dessus des cieux. Pourquoi est-ce qu'il ne lutte pas pour le pouvoir? Ce qui l'intéresse, c'est le cœur des hommes, et non le poste des hommes. Le cœur des hommes. Et donc, quand vous êtes un leader dans l'église, vous commencez à dire non, votez pour un tel. Même si tout le monde acclame, c'est qu'il y a un bon lot d'hypocrites qui ne te disent pas qu'ils ne sont pas avec toi. Parce qu'eux, ils ont leur candidat, ou peut-être eux-mêmes, ils sont candidats. Et tu es en train de le demander de voter pour quelqu'un d'autre. Chacun a son intérêt. Vous êtes dans un pays où on a peut-être 100 ethnies différentes. Tu penses que tout le monde va s'embarquer avec toi parce que tu dis voter un tel? En Afrique, la connaissance est d'abord tribale. Enfin, en termes d'alliance. Je vote celui de mon village. Donc si tu veux unir les gens qui sont avec toi, il est important de mettre celui qui est au-dessus de toutes les tribus et qui unifie les tribus. Il faut mettre Jésus au centre, parce que lui, il n'est pas dans les affaires de tribus. Mais si tu rentres dans un candidat, tu vas diviser l'assemblée. C'est la sagesse. Est-ce qu'un homme ne peut pas avoir ses opinions? Oui, mais un homme doit avoir assez d'intelligence et de sagesse pour les garder pour lui, quand il est un leader d'église. C'est ça la sagesse. Donc quand je suis revenu, on m'a imposé de,
me donner des gardes du corps et qu'il fallait que je paye. J'ai eu 7 gardes du corps qui étaient avec moi, qui ma maison était gardée. Je marchais avec une voiture, devant il y avait des gardes armés. Et un jour, pendant que j'étais en train de rouler avec eux, je attire mon intelligence, mon truc sur la... Tous sont devenus comme mes soldats, c'est-à-dire de parler avec eux, je les instruisais, je discutais. Et tout de suite, ils ont commencé à voir moi comme un chef de corps d'armée. Donc, enfin, je les ai amenés à être comme des gars autour. Et donc, quand je parlais, ils étaient tous très, très alignés. Et Dieu m'a dit, tu as vu l'opération de la sagesse? La sagesse a toujours la prééminence sur la force. Si tu recherches la sagesse, tu auras toujours la force à ton service. La preuve, devant les boîtes de nuit, devant les restaurants, devant les gardes de corps, ils sont musclés, mais ils ne gardent pas les gars forts. Est-ce que vous comprenez? Ils gardent les gens qui ont donné la primeur à la sagesse. La sagesse est importante. L'onction ne va jamais s'opérer dans ta vie au maximum tant que la sagesse n'a pas été exaltée. Il faut exalter la sagesse. C'est important. Il faut exalter la sagesse. Parce que même quand on est loin et qu'on n'a pas la sagesse, on ne sait même pas comment prier, comment déployer son onction. Donc on a besoin de sagesse. C'est important de la rechercher. Et voyez, donc quand vous recherchez la sagesse, vous êtes en train de suivre Dieu. Vous suivez Dieu parce que Dieu emprunte les voies de la sagesse. Quand Jésus rencontre Pierre, et d'accord, dans Matthieu 4, verset 18 à 19, vous qui prenez les notes, il rencontre André, il rencontre Pierre. La Bible dit qu'il leur dit, écoutez, c'était des frères, ils étaient en train de jeter des filets, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. Donc vous ne pouvez pas, justement, travailler avec Dieu sans suivre Dieu. Et la meilleure façon de suivre Dieu, c'est la connaissance de la parole. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas être affranchi par Dieu et vous ne pouvez pas être utile à Dieu. Jean 8:38, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les véritables délivrances ne sont pas opérées par l'onction, mais par la connaissance. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis là et que je parle, il y a certaines personnes parmi vous, les démons lâchent prise. Ma parole est ouinte. Mais comme toi-même tu as compris quelle était la raison de l'intrusion de ces forces ennemies dans ta vie, dès qu'il part, tu ne lui donnes plus accès. Parce que tu sais pourquoi il est venu et comment est-ce qu'il est entré. Mais si tu es ignorant, demain il reviendra. Et tu ne sauras pas quoi faire. D'accord? Tu ne sauras pas quoi faire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes dans les églises qui sont prophètes dépendants. Prophète dépendant, c'est-à-dire dépendant des prophètes, dépendant des pasteurs, dépendant des mouchoirs, dépendant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. La connaissance libère. Je prophétise une liberté totale et définitive dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Vous voyez, même le volume de votre amen détermine votre connaissance. Parce que si vous savez, si vous êtes informé du fait que le gars qui parle est capable de mobiliser les anges, votre amen va changer. Voyez-vous, c'est important, la connaissance. Très important. Il y a une grande récompense qui est rattachée au fait de connaître. Oh, je me rappelle une fois, j'étais dans un pays et après, il y a un homme d'affaires important de grande importance qui est venu et a demandé à me voir. Et le pasteur qui m'avait invité me l'a dit. Mais bon, j'étais très occupé parce que enseigner tous les soirs, c'est vraiment pas la chose la plus facile. Vous devez passer le temps avec Dieu. Si vous voulez parler de la part de Dieu, il faut avoir le temps de le rencontrer. Vous ne pouvez pas vous balader toute la rue, tout le matin, et puis le soir ouvrir la bouche, vous dire Dieu m'a dit. Dieu ne te parle pas dans ces conditions. Parce qu'il veut d'abord prendre le temps de t'amener à le suivre, de t'amener à le suivre dans ses voies. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va rentrer en Côte d'Ivoire, on va lui envoyer un billet, il reviendra. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé un billet, business card, je suis rentré, ils m'ont mis dans une suite. Et j'avais 24 heures à passer parce qu'il voulait parler avec moi. Pourquoi est-ce qu'il désirait parler avec moi? Parce que quand il m'a écouté, il a vu des lumières. La lumière dans ta vie, j'ai bien la lumière, la présence de la lumière dans la vie du croyant va toujours exalter sa position, sérieusement. Vous ne pouvez pas avoir des lumières et passer dans l'ombre. On ne peut pas enténébrer la lumière. La lumière, c'est ce principe, quand elle est présente, elle rayonne. Quand la Bible dit vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas une prophétie arrêtée. C'est une prophétie qui t'engage à aller rechercher la connaissance. Parce qu'il n'y a que la
connaissance qui illumine ta personne, qui donne de l'éclair, de l'embellie à ton existence et qui permet aux gens de voir le véritable toi que tu es. En fait, il n'y a que la connaissance qui révèle la réelle version de toi. C'est important la connaissance. D'accord? C'est important. Aujourd'hui, on a très peu de personnes qui lisent. Ils ne lisent même pas la Bible. Un croyant ne lit pas la Bible. Il n'écoute pas les messages. Mais comment est-ce que vous voulez progresser dans la vie? Comment voulez-vous que Dieu travaille? Si il n'y a pas de connaissance, il faut connaître. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Dieu dit que la lumière soit. Pour que Dieu installe son chantier de travail, il met d'abord la lumière. Tant qu'il n'y a pas la lumière, vous perdez votre temps. Il peut y avoir de l'agitation, mais pas de la transformation. C'est la lumière. Dieu travaille avec la lumière. Il faut la lumière. C'est pour ça qu'il faut rechercher la sagesse. Il faut s'attacher à la sagesse. Il faut chercher la sagesse. Quand je suis reparti, cet homme, eh bien, j'ai prié, je l'ai reçu. En 3 minutes, son visage était illuminé. Il m'a posé une question, la sagesse est descendue dans mon esprit de façon incroyable. En 3 minutes, il était illuminé. En 15 minutes, on a terminé le discours. Il a pris son téléphone, il a appelé, on est monté avec un paquet. Qu'il a posé ça, il dit, pasteur, c'est pour toi. Il a posé sur la table, j'ai regardé le paquet. Vous savez, quand vous avez l'habitude des billets de banque, vous savez que ça s'appelle le dollar, ça s'appelle l'euro, ça s'appelle... parce que vous avez l'habitude de toucher. Le paquet était posé sur la table et un paquet volumineux. Quand je l'ai accompagné et que je suis remonté, j'ai couru précipitamment pour voir de quoi il s'agissait. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai Père, je veux te rendre grâce. Père, je veux célébrer ton nom. Père, je veux bénir ta fidélité. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous suivez Dieu, il y a des escales techniques où Dieu vous enverra une bouffée d'air, un clin d'œil, pour vous dire, je te récompense de tous ces jeux mis à part. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous investir pour les choses de Dieu et Dieu vous oublie sur la terre. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Si Dieu t'a dit, suis-moi, suis-le. Je suis avocat, je ne peux pas. Dieu dit, suis-moi, suis-moi. Je suis médecin, Dieu dit, suis-moi, suis-moi. Je suis banquier, Dieu dit, suis-moi, suis-moi. Il peut prendre un banquier et en faire un pasteur. Il peut prendre un avocat et en faire un pasteur. Il peut prendre un politicien et en faire un apôtre. L'essentiel, c'est de le suivre. Et quand tu le suis, ta vie prend une couleur qui va sublimer la société, qui va te donner d'avoir accès à un palier de grâce que tu n'aurais jamais vu avant. Jamais. Dites-moi qui on peut appeler et qui parle 15 minutes, on lui donne 55 millions de francs. Et que la personne dit, je veux te revoir tous les 6 mois. Comment c'est possible? Il y a des personnes avec qui j'ai parlé et qui ont reçu un chèque 100 millions. Dieu te bénisse, pasteur. Ou alors, je veux te voir, pasteur, que Dieu te bénisse. J'écoute, quelqu'un nous a appelé, oh, Dieu m'a mis à cœur, 1 million d'euros. On n'a pas encore de la personne. Pourquoi de telles choses? Parce que derrière, il y a la lumière. C'est la lumière. Vous pouvez avoir le même message. Vous pouvez donner les mêmes phrases. Mais la différence, c'est que quand vous avez découvert la lumière, vous illuminez les gens quand ils vous écoutent. Parce que vous devenez une source lumineuse qui transmettait la lumière. Mais quand vous prenez une connaissance qui ne vous a pas vous-même illuminé, vous transférez la mort, la lettre. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de transformation. C'est, vous voyez, c'est important. C'est très important. Vous ne pouvez rien construire de sérieux si vous ne prenez pas la chose au sérieux. Impossible. Malgré les milliers de messages que j'ai prêchés. Hier encore, je suis allé au lit à 3h. Moi, j'étais couché et je me suis endormi à 3h du matin parce que j'étais en train de sonder Dieu sur la direction à donner des cultes de ce matin. Mais Dieu est souvent étrange. Je lui dis, papa, tu sais, j'ai marché toute la journée. J'ai évangélisé. Papa, s'il te plaît, donne-moi la direction maintenant. Mais il ne prend pas plaisir à me dire, répondre quand je veux. Il veut voir comment moi-même je soupire après le désir de voir ce qu'il me demande de faire de façon excellente. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'excellons pas, c'est parce qu'on ne passe pas le temps dans sa présence à chercher ses voies. Père, comment je dois faire ça? Père, comment je vais... Qu'est-ce que je prépare aujourd'hui pour mon mari? Comment je m'habille? Comment je fais ci? Comment je... Vous savez, vous devez être à même d'impliquer la sagesse divine.
divine. D'accord? Vous avez des gens, Dieu vous a mis à côté des personnes importantes. Et vous avez brisé la relation, vous l'avez détruite parce que vous êtes sot, parce que vous manquez de sagesse, vous êtes insensé. Dieu ne peut jamais couronner, décorer des personnes insensées. Lâchez ça et poursuivez la sagesse pour que votre vie prenne, n'est-ce pas, de l'ascenseur en Dieu. D'accord? C'est important. Quel que soit le domaine, bien aimé, personne ne peut être assis autour de moi et dire ma vie sera misérable, je ne serai jamais rien dans la vie. Non, je vous dis sérieusement, quand vous soyez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quand vous soyez la personne la plus lettrée, j'ai appris avec Dieu que la connaissance de Dieu surpasse toute forme de sagesse. La sagesse de Dieu, la sagesse élevée, c'est-à-dire je peux, par les instruments de la parole de Dieu, prendre le maçon, prendre les boueurs, prendre celui qui était sans métier et en faire un homme puissant, une colonne, un pilier dans sa société. Pourquoi? À cause de la sagesse divine. Elle est capable de vous amener loin. Vous ne réussissez pas en affaires parce que vous avez un PhD, parce que vous êtes docteur. Vous réussissez parce que la sagesse de Dieu est avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce ne sont pas les plus belles femmes qui se marient, ce sont les femmes sages. Même l'habillement d'une femme révèle si elle est sage ou pas. Tu t'habilles et puis on a tout vu au départ. Qu'est-ce qui amène un homme à aller plus loin? Si on a déjà accès au regard, à tout ce qu'on peut chercher. Et si maintenant X ou Y, Z sont passés avant, qu'est-ce qui fait le mystère de ta personne? Tu es démystifié. Donc quand Dieu dit à une femme, garde-toi vierge, il n'est pas bête, il n'est pas sot. Parce que l'ego de l'homme, c'est qu'il veut avoir une propriété exclusive, pas partagée. Mais comme les gens pensent qu'ils sont devenus sages, et que donc maintenant, ok, dans tous les cas, l'évangile est dépassé, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et on récolte ce qu'on veut. Pasteur s'est dit, mais comment je me fais? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Un homme arrive, wow, je suis, c'est ce que j'aimais, c'est ce que je recherchais. Une femme belle mais brute. T'as pas besoin de tout changer. On ne reconnaît ni les cils, ni les sourcils, ni les cheveux, ni les ongles, rien. Tu as tout métamorphosé. Maintenant, si tu crois à l'existence divine, quand celui qui t'a été réservé viendra, est-ce qu'il te reconnaîtra? C'est le problème. Et même si celui qui te prend t'a reconnu, le jour où vous entrez dans la chambre, est-ce qu'il reconnaît? Parce que quand tu en as les toilettes, maintenant vous dites, chérie, j'arrive, tu enlèves les cheveux, tu mets de côté, tu enlèves les dents, tu mets de côté, tu enlèves les ongles, tu mets de côté, tu enlèves tout, tu mets de côté. Voilà, tu as vu toi-même qui crie. À plus forte raison, l'homme, il va faire comment? Il va s'évanouir. Après, tu vas dire, pasteur, je comprends pas ce qui m'arrive. Le diable m'a attaqué, ce n'est pas une attaque diabolique. C'est une attaque de chemin insensé que tu as embrassé. Que la sagesse divine soit avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Faut aimer la sagesse. Elle va bonifier ton existence. Je vais terminer avec ceci. Notez ça. Notez ça, c'est très important. Proverbe 2, verset 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche et sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Proverbe 3, 13, 17. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite sont une longue vie. Dans sa gauche, richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Donc quand on cherche la sagesse, premièrement, on la cherche. On la désire, on crie après elle. La bonne nouvelle, Jacques 1, verset 9. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu qui vous en donnera. Demandez à Dieu la sagesse, il vous en donne. Alléluia. Demandez-la, vous la recevrez. Je veux voir quelqu'un, je veux entendre quelqu'un demander. Demande-la tout de suite et reçois-la. Demande la sagesse, demande-la tout de suite. Demande la sagesse maintenant et reçois-la. Demande-la, demande la sagesse, s'il te plaît, demande-la. Nous ouvre ta bouche et parle, demande la sagesse. Dieu te la donne maintenant. Dieu te la donne maintenant. Là où tu te trouves, demande-la maintenant. Dieu te la donne. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse que tu demandes à Dieu. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Reçois la sagesse. Reçois un esprit qui se déploie la sagesse. Dans la sagesse. Au nom suprême de Jésus. Voyez, maintenant que tu l'as reçu, tu vas en tirer profit. Et ce profit, d'accord, sera meilleur que de l'or. Et n'oubliez pas, quand on parle d'or, c'est
voyez, c'est le métaux refuge. Quand monnaie est en décadence, les hommes prudents achètent de l'or. Parce qu'ils transfèrent justement leur valeur dans de l'or. Ça prend la valeur, c'est le refuge. Mais la Bible dit que la sagesse est plus profitable, d'accord, que de l'or. Ça veut dire ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse et vous êtes dépassé. Non, jamais. Quelqu'un qui a la sagesse n'est jamais dépassé. Les gouvernements peuvent se succéder, mais on va toujours faire appel à toi. Quand tu as la sagesse, tu as toujours. Quand la sagesse est recherchée, la sagesse est valorisée. La voyez, c'est très important. D'accord? Elle a une valeur élevée. Elle donne la longévité. On vit longtemps quand on est sage. Longtemps. Longtemps. Vous voyez? Elle donne la richesse. Elle apporte la gloire dans la vie. Elle te fait mener une vie de qualité supérieure. La paix de Dieu, le shalom de Dieu est ton partage parce que tu es sage. Et c'est pourquoi, voyez-vous, je dis, même quand quelqu'un te gifle à la jugote, présente la jugote droite. Pourquoi? Parce que quand tu ne réponds pas, quand tu ne donnes pas les coups, tu vis en paix. Celui qui est perturbé, c'est celui qui t'attaque. C'est ça la sagesse. Un jour, un ami, je t'ai mis avec ce témoignage, qui me persécutait. Vous savez souvent quand vous marchez avec les gens et que vous commencez à prendre une longueur d'avance, deux longueurs d'avance, trois longueurs d'avance, ils prient comme vous priez. Ils n'ont pas les résultats que vous avez. Ils soupçonnent que vous êtes en train de faire des choses qu'eux ne font pas. C'est-à-dire, mais au lieu de venir vous demander qu'est-ce que vous faites, parce que le problème, c'est qu'il faut faire attention. Je peux prier trois heures, mais je prie mal. Un jour, Dieu m'a dit, pourquoi tu cries quand on parle? Pourquoi tu as besoin de crier? Je suis là, tu cries pour moi. Parle-moi. Mais si je ne t'enseigne pas ça, comment tu seras comme... Oh, il y a des moments de conversation. Et on n'ose pas la voir quand on parle à son supérieur. Comment tu cries devant ton supérieur? Tu parles à ton père. Hey, papa. Non, calme-toi. Mais quand tu t'adresses au diable, c'est l'autorité, c'est différent. Le langage, c'est différent. Mais si tu ne sais pas ça, comment tu fais pour prier? Ah, papa, papa, papa. Il y a des gens quand ils prient, vous sentez qu'ils ont besoin d'aller à l'école de prière. Ils ne prient pas. D'accord? C'est important. Donc alors, il m'a commencé à m'attaquer et puis à dire, ouais, vraiment, le gars, il est allé au Congo, il a pris les fétiches là-bas. Et, vous savez, l'Africain, dès qu'on voit le succès, on pense aux fétiches. Comme si Dieu était incapable de faire de grandes choses. Je vais vous dire une chose, vous ne m'avez pas encore vu monter. Non, vous ne m'avez pas encore vu monter. J'ai dit, vivez longtemps, vous allez voir. Chaque jour, jour après jour. Continue. Pourquoi? Parce que chaque jour je creuse. Chaque jour je descends et il me fait monter. Je descends, lui il me fait monter. Chaque fois que vous descendez, il vous fait monter. Donc, c'est inarrêtable. Je ne serai jamais pauvre. Hein. Fini. Jamais. Même mon corps va susciter les offrandes. D'ailleurs, le cadavre là, puis les offrandes viennent de partout. On dit, il faut. Si la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu es. Est-ce que quelqu'un comprend le cadavre? La sagesse. C'est important la sagesse. Important. Alors, l'ami, il a commencé à me persécuter. Alors, je priais, et puis Dieu m'a donné une sagesse. Je suis allé chez lui, il avait des enfants, j'ai pris les enfants. J'ai amené les enfants au glacier. J'ai dit, donne-moi tes enfants. Il m'a donné ses enfants. Et puis, on est monté, on est allé au glacier. J'ai dit aux enfants, qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'ai offert, et je savais qu'il me critiquait chez lui. Donc, j'ai fait des cadeaux aux enfants, et puis j'ai remis l'argent à sa femme. J'ai dit, prends soin de ses enfants. Et puis, je suis parti. Mais je suis sûr qu'il n'a pas dormi la nuit. Parce que vous savez, la Bible dit, c'est comme les charbons ardents que vous mettez sur la tête. Vous n'avez pas besoin de dire, oui là, il m'a fait ça. Je veux, non, il n'a pas que son voix. Laisse, calme-toi, emploie la voix de la sagesse et laisse-le dans le trouble. Et toi, tu dors tranquille. Quand c'est comme ça, tu es heureux parce que tu as pu faire ce que Dieu attendait de toi. C'est ça la sagesse, d'accord? C'est pas toujours répondre coup par coup, d'accord? Quand j'ai appris la sagesse, ça m'a beaucoup changé, même en tant que leader. Souvent, ma femme parle et pas, je regarde. Et puis je baisse la tête, je souris, j'avance. Je ne réponds pas. Je continue. C'est la sagesse. Avant, je n'étais pas comme ça. Je peux regarder et puis je ris. Je passe. Mais ok, je continue. C'est la sagesse. Ce n'est pas tout le monde, toutes les fois qu'on parle. Vous savez, en tant que leader, si vous commencez à avoir un langage courant tout le temps, vous devenez vulgaire. Dieu lui-même, quand il est avec toi, il ne parle pas tout le temps. Il se tait. Parce que le silence donne de la force à ton autorité. Ce n'est pas tout le temps en train de parler. Non, il faut savoir être calme. Un jour, je parlais avec un chef d'État et puis il me disait, bon, mais comment on va faire avec? J'ai dit, la seule chose à faire pour que ce pays soit stable, donne à ton opposition d'être forte. Il dit, quoi? J'ai dit, oui, simple. C'est ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu n'a pas de problème? Il a un opposant, il s'appelle Satan. Tu ne peux pas régner sans opposition. Jamais, tu auras des problèmes. Laisse l'opposition et que l'opposition vidange la hargne des gens que les gens ont contre toi. Laisse-les marcher, laisse-les crier dans les rues. Libère la marche. Comme ça, ils se déversent, ils se vidangent et quand ils rentrent chez eux, ils sont paisibles. Et toi, tu règnes.
voyez ce que je veux dire? Ne pensez pas que si vous, plus vous muselez les gens, plus vous avez une chute terrible. Parce que le jour se lève, même le fusil ne peut pas les faire fuir. Personne ne peut tuer un djihadiste parce qu'il est déjà mort avant d'attaquer. Que Dieu vous bénisse. Il faut aimer la sagesse. Amen. Il faut aimer la sagesse. On va prier pour la sagesse. Élève ta voix, prie pour la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Demande-la. Demande-la sérieusement. Prie pour la sagesse. Que Dieu te la donne. Tu as besoin de sagesse. Prie pour la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Demande-la. Demande-la encore. Confesse la sagesse. Déclare la sagesse. Affirme la sagesse sur ta vie. Déclare que c'est ta possession, c'est ton héritage. Confesse-le. Déclare-le. Annonce-le. Déclare la sagesse. Déclare la sagesse. Déclare la sagesse sur ta vie.